Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je te fais vite une petite vidéo pour t'informer de quelque chose. Alors, il paraît, vous êtes une dizaine à m'avoir informé là-dessus, que lorsque vous partagez mes dates de spectacle en publication sur Facebook, on vous la supprime. <laughs> On vous bloque. Je suis désolé, j'y suis pour rien, n'est pas moi. Hein. Ah, c'est pas moi qui vais vous dénoncer auprès de Facebook en disant euh, ils ont partagé mes dates. Non, non, j'y suis pour rien. Donc sachez-le, ça arrive. C'est pas grave, il hein, n'y a plus grave dans la vie. Mais comme ça, vous le savez. Autre chose, vite fait, concernant les spectacles, les amis. Euh, alors, comme je produis les spectacles, toutes les dates où je joue, c'est moi qui produis. Il y a des, euh, des salles qui mettent mon affiche sur leur site et d'autres pas. Parce qu'il y en a qui se disent comme c'est une production. Eh bien, ça fait pas partie de la programmation, donc on l'annonce pas. Donc, vous étonnez pas si vous me voyez pas sur les sites des théâtres. C'est uniquement, uniquement les réservations, uniquement via mon site, uniquement, sauf pour viser. C'est le seul. C'était une obligation euh, contractuelle où j'étais obligé de prendre leur billetterie. Sinon, c'est la nôtre. Donc, comme ça, vous le savez, c'est tout sur mon site www.stefancuevillier.com. Et alors, autre petite chose, je fais vite euh, une petite parenthèse, hein, comme euh, j'ai un petit peu le temps d'aller répéter. Euh, ouais voilà, quelquefois me demande aussi ouais, euh, qu'est-ce que c'est quoi la différence de public entre la France, la Belgique, la Suisse, euh, le Canada, le Luxembourg. La différence, est-ce que tu sens une différence, fans de public Alors alors déjà, je vous informe de quelque chose. Je pouvais pas en parler à l'époque, mais je le fais maintenant parce qu'il y a prescription. Euh, vous savez qui est venu me voir en spectacle Qui est venu voir Bizoukès en spectacle dans le nord de la France C'était en à Chalon, Si mon souvenir, est bon. Fabrice Luchini. Ouais, tu te rends compte, Fabrice Luchini est venu voir mon spectacle. Alors pourquoi je t'en parle que maintenant Parce qu'il a demandé d'être discret là-dessus. Je te le jure que c'est vrai. Il m'a demandé, écoutez, voilà, si vous pouvez être discret sur ma venue, euh, ça me ferait plaisir. Donc il est venu me voir et malheureusement j'ai pas pu le dire à ce moment-là qu'il était venu me voir. Oui, parce que il ne voulait pas être associé à Stéphane Cuvelier. Mais je lui en veux pas, il est au moins venu, hein, C'est déjà pas, et puis c'est la classe, quoi. Franchement, c'est la classe. Et Fabrice Luchini, qui a vu Bizousqueuse, hein, La probabilité que j'avais avant le Covid, qu'il vienne me voir, je schnoll. <laughs> schnoll Donc, je suis ravi. Donc, euh, merci Fab on est intime maintenant. Merci Fabrice Lucini d'être venu me voir si tu vois cette vidéo encore. parce que si tu es venu me voir c'est que tu me suivais sur les réseaux. Donc merci Fabrice Lucini. Oh, parce qu'il y en a plein d'autres aussi qui me suivent hein. Oh et puis je reçois des petits likes comme ça euh, qui font plaisir. J'ai reçu un like de vidéo de Jarry, j'ai reçu des likes de Kali. Voilà, ça ça me fait super plaisir Kali parce que moi j'avais été le voir en concert euh, il y a quelques années. Enfin voilà, ça c'est la petite anecdote mais pour faire la 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 comment dire la différence, je vais te le donner. Alors, le luxembourgeois, je n'en sais rien parce que ma première date sera en février au Luxembourg. Donc, là, je vais me rendre compte de ce que c'est le public luxembourgeois. Donc, je joue le, le 14 février au Luxembourg. Donc, là, après, je pourrais vous dire comment est le public euh, luxembourgeois. Mais, je peux déjà vous dire la différence entre le public suisse, québécois, français et belge. Je t'explique. Alors, euh, le public suisse, tu vois, il euh, y a une heure de route à faire, ils viennent me voir. Ouais, il vient de me voir, il n'y a aucun problème. Le français, il y a deux à trois heures de route à faire, il vient me voir. Ouais, c'est pas grave, deux trois heures de route pour venir me voir, il vient me voir. Ouais. Le québécois, il y a trois heures ou quatre heures de route à faire, il vient me voir. Ouais, ça ne pose pas de problème, il vient me voir. Le belge, <laughs> le belge, tu joues où, Steph Oh, ça à 30 kilomètres de chez moi, ça c'est loin, hein oui, ça, ça, ça c'est loin. Hein. Et j'ai quand même pour 25 minutes de route. Ah ouais, ouais. Et à 22h, et c'est tard, hein Ah ouais, ça se termine, 22h, je suis à 22h25 chez moi. Euh, ça c'est un petit peu tard. Tu joues pas près de chez moi ben, C'est-à-dire à côté de chez moi. Ou alors tu joues dans mon jardin. Voilà, ouais, voilà. Tu joues dans mon jardin. Voilà les amis, ça c'est la différence entre le public suisse, canadien, français et belge. C'est que le suisse, le canadien, le français, euh, ils s'en foutent. Le belge, au-delà au au du périph. Euh, ça, c'est déjà un peu loin. Hein ouais, c'est déjà un peu loin. Ouais, donc voilà. Oui, il faut que j'aille carrément jouer dans son jardin. Ouais, chez le belge, il faut jouer dans son jardin. Ouais. Bon allez, sur ce, je vais te laisser. Merci pour les réservations que vous êtes en train de faire. Ça, c'est dithyrambique Les réservations se vendent comme des petits pains. Les places, pardon, se vendent comme des petits pains. Merci, merci, merci du fond du coeur Allez, je vais rejoindre mon acolyte euh, et euh, génie euh, David Shepers pour continuer à répéter ce superbe spectacle que j'aime déjà, Namaste ou pas voilà allez à tout bientôt tous les amis que tout se passe bien pour vous passez une excellente journée et un excellent week-end bien entendu bon bisous -cous.